Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. J'ai demandé à la lune. Ah oui, elle est partout cette lune, hein. Tout le monde en parle. Elle fait la lune de l'actualité. Le calembour appartient à mon collègue Angie. Hein. J'ai donc essayé de combiner plein d'expressions lunaires aujourd'hui. Tu vas me dire, c'est souvent lunaire déjà ce que je raconte. C'est vrai, je suis fréquemment dans la lune. Mais là, c'était pas dedans, c'était devant. Attends, je voulais pas louper ça, je me suis levé à 4h30 moi. Et là, je la vois plus. Fais mince, y en a un qui a réussi. Eh ben, un amoureux, il est allé décrocher la lune pour sa chérie. Et puis non, on m'a expliqué, bon, elle s'est éclipsée. Non, pas sa chérie, hein. La lune. Sa chérie, elle est restée, elle a pas changé d'avis comme ça, elle est pas lunatique. Puis pourquoi la lune aurait des tics? D'ailleurs. Alors je cherche la lune, pas moyen de la trouver. Je dis, allez où la lune? Il y a un gars qui passe, il me fait, tu veux la voir la lune? Pan, il m'a montré ses fesses, le bougre. Je demandais à voir la lune, je demandais pas grand chose, c'est pas comme si je demandais la lune. Si, du coup, c'est, oui. Bon, merde, bon, bref. On m'a encore promis n'importe quoi. On m'a promis la lune, oui. On m'a dit, tiens, viens voir la lune qui disparaît. Bah oui, mais je regarde quoi si la lune a disparu? Je vois que je vois pas la lune. Oh, dis donc. C'est comme si j'étais devant la télé, éteinte. Ah bah je sais qu'il se passe des trucs sur la chaîne que je regarde pas, hein. Ah non, ça m'énerve. Alors, ou je suis con comme la lune. Ou alors je suis mal luné, je sais pas. Pourquoi t'as mis Star Wars, toi? Eh bien parce que même la lune est aux couleurs de Star Wars 7. Ah bon? Ah oui, elle est passée du côté obscur. T'as pas vu? Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.